Yop tout le monde, salut les gents, comme d'habitude, je décroche ce rideau de merde. Comment allez-vous les gents? Le mec qui se fait désirer. Ah j'avais plein de choses à faire, putain je me suis rasé tous les gens pour vous. J'avais une barbe de... Ah j'abuse. Comment allez-vous, comment allez-vous? Est-ce que tout se passe bien? Tout se passe bien. J'attends vos réactions, hein, comme d'habitude, 30 secondes de décalage. J'aime bien avoir une réponse quand je dis bonjour, pas comme dans les vidéos, si possible. Quelle barbe? Y a quoi? Y a pas de barbe, y a pas de cheveux. Salut She-Wolf, salut VivoPlay, salut Rotaz. Écoutez, moi ça va super, ça va super. J'avais pas prévu de faire le premier live ce vendredi, mais j'ai réussi à me libérer. J'ai réussi à me libérer et vu que j'ai super envie de jouer à South Park. J'ai pas pu me retenir. Vous inquiétez pas les gars, la barbe ça repousse. Vous la verrez une prochaine fois. J'espère avant l'épisode 2 quand même, parce que sinon ça veut dire qu'il va s'écouler un long moment avant la suite. Salut Niro. Bijour, bijour, bijour tout le monde. J'ai attendu un petit peu exprès, parce que vu que c'est pas un live complètement organisé, j'ai préféré, pardon, qu'il y ait du monde qui arrive. Yo Ultra Zen. Salut, salut, salut Yanra. Yanra, je sais pas si... Bref. Et Rosnacouz, qui était là tout à l'heure. S'il y a une personne compétente qui peut... Attendez. Combien on est? Ah, il est full le TS. J'avais pour projet de créer une salle pour ceux qui veulent regarder le live et en même temps de chatter entre eux, mais le serveur il est full. Salut Torta. Comment ça que je laisse la barbe? Je me suis rasé pour vous, vous voulez que je laisse la barbe maintenant? Salut, salut, salut Chiroy, je sais pas si je te l'ai dit. Bon les gens, je vous explique comment ça va se passer. On va se faire un petit épisode tranquille, donc ça devrait durer entre une demi-heure. J'aimerais le faire entre une demi-heure, trois quarts d'heure, histoire que ce soit possible, si ça se passe bien et que la qualité est raisonnable, de vous proposer, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui ratent le début, une rediff en non répertorié, à voir comment ça va se dérouler, directement sur YouTube. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai mis le live en 480, donc d'habitude il est à 410. Attends, désolé pour ceux qui me parlent, j'ai pas le temps de suivre. Normalement c'est en 410, là je l'ai mis en 480 pour avoir la qualité 480 sur YouTube. Il faut savoir que YouTube, ça n'existe pas à 410 pour lui. Ça veut dire que si je fais une rediff, au lieu de l'avoir en 410, ça le passe en 360, c'est dégueulasse, c'est ce que j'ai essayé de faire pour The Hunter. Du coup, c'est possible qu'on soit obligé de changer de résolution. Normalement, South Park, c'est pas un jeu qui bouffe beaucoup de connexions, donc ça devrait bien se passer. Mais voilà, sachez que je vous le dirai de toute façon, je vous dirai ça lag trop. On repasse en 410 et ce sera bien pour vous, mais il n'y aura pas du coup de rediff sur YouTube, je pense, sinon ce sera pas assez joli. Alors, je reprends vos questions dans l'ordre. Anto qui me demande c'est quoi mon clavier. Mon clavier, c'est un Logitech G110, donc je peux te le montrer peut-être sans tout arracher si possible. Donc voilà. C'est un Logitech G110, c'est un clavier à 60 euros. Il est dur à trouver parce que c'est un modèle, je sais pas s'il est très très vieux ou pas très récent, ça veut dire la même chose. Mais voilà. Chiwolf qui me demande si je peux faire du Banish. Je sais pas du tout si je vais faire du Banish ce soir. D'abord, plutôt un Hunter avec les autres, dans la deuxième partie du live. Et si ça dure un petit peu, oui, du Banished. Et hier, tu sais que je t'ai dessiné sur mon mur. Tu m'as dessiné, bah écoute, tu m'enverras le lien sur le TeamSpeak ou quoi si tu passes et j'irai voir ça. Bonsoir Ben, Benz. Et c'est à peu près tout. Écoutez, bah, si vous êtes chaud, on va voir comment ça se passe. Donc je vais garder 2 secondes la page ouverte pour voir moi en direct comment ça rend. Putain, les connexions de merde. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas, mais... La marque de mon slip, alors tu fais bien de me le demander. Salut slash him, je sais pas. Je voulais vous mettre le jeu, vous inquiétez pas. Je vais d'ailleurs vous le mettre de suite. Hop. Alors. South Park Colorado. Capture de jeu. South Park. J'espère en tout cas que ça va bien se passer en 480. Ça me permettrait de proposer une rediff. On est bon, on est bon. On va le mettre en bas.
Magie. On croise les doigts, les gens. Du Arma 3, c'est pas prévu pour ce soir. Le logo de ma chaîne, t'as dessiné? Ah, ok. Ben ouais, le logo, tu sais, c'est un petit peu un. C'est un petit peu un croquis, hein. C'était juste histoire de faire quelque chose, mais c'est pas vraiment le logo définitif. Alors, vous me dites, au niveau du son, il y a les autres qui sont sur TeamSpeak. Je vais voir s'ils veulent rester papoter en même temps. Ils m'entendent d'ailleurs. Durma 3, bon, ok. Ouais, non, pas ce soir. Je pense vraiment pas ce soir. Hello, Jlinks. Bon, j'espère que vous m'entendez sur le TeamSpeak. Je vais démute. Salut Anxio, salut Dilingo, re-salut. Vous êtes là? Non. Non, vous êtes Coucou. pas là? Vous voulez pas jouer à South Park avec moi? Ah moi j'ai pas le jeu. Non, mais on peut pas jouer en multi. Non, mais c'est quoi la marque de ton slip? Alors, la marque de mon slip, c'est Dim. Et c'est pas un slip. C'est un boxeur. Un boxer. Ça existe plus les slips, les gars. C'est sûr, c'est un boxeur ou un string? C'est un string. Je sais pas si au niveau du son des voix, je vais attendre 2 secondes. Vous allez me dire. Diglingo, je t'aime. Signé PDM Free. Moi, je t'aime pas. Le tatoué. Donc, vous me dites juste au niveau du son sur TeamSpeak, est-ce que vous les entendez en même temps la musique? Est-ce que ça se passe bien ou pas? Ce jeu, il est juste énorme. Yo, Docteur Pruneau, j'ai joué pas longtemps, mais si vous aimez South Park, je vous jure, c'est un épisode de South Park, mais avec lequel tu peux interagir et c'est énorme. J'espère que ça va continuer à être énorme, y a pas de raison. Ah ouais, l'homme casse qui dit bonjour à Diglingo, qui me dit pas bonjour à moi. Je retiens. Genre, Impec, t'inquiète. Ok, les gars. Eh bien, écoutez, on est parti pour l'aventure. The Stick. Alors, comment on prononce? Anxio, dis-nous. The Stick of Truth. The Stick Truth. Vous êtes d'accord que c'est un mot de merde, quand même? Le TH en anglais, il est chiant. Ok, le son. Donc, il y en a un qui me dit légèrement le son de TeamSpeak. Ça coûterait, on va le monter légèrement. On va baisser légèrement le son du jeu. Voilà, de 2 points, ça devrait le faire. Oh, Spark, stake of truth. C'est bon, ça va, on a compris que. Voilà, truth. Bizarre, voilà. Truth. Ouais, j'avoue, le mec, tu sais, il se la joue un petit peu. Bon, on est parti, bonsoir, Armarombo. Continuer normalement. Je sais pas si c'est possible de créer plusieurs parties. Alors ça m'intéresse parce que ma copine elle veut jouer et je veux pas qu'elle me baise ma partie, si possible. Donc charger une partie, ouais, si c'est sûrement possible d'avoir plusieurs trucs. Vous n'êtes pas sûr? À chaque fois je peux pas lire cette merde. Bon, c'est exactement où c'est fini la vidéo de présentation, l'épisode pilote. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, honte à vous. Wow, Cartman il est impressionné par mes proutes. Tes entrailles sont toutes moisies, vieux. Donc, Anxio et Diglingo, je parais que vous avez même pas regardé mon épisode pilote, bande de traîtres. Non, je regarde rien du tout. Donc, pour info, je le dis pour ceux qui l'ont peut-être pas vu et pour Anxio et Diglingo, j'ai créé mon personnage, je suis le nouveau dans la ville. Et ils ont basé apparemment le jeu sur. C'est comme d'habitude, ils ont des délires bizarres, les persos, et cette fois-ci, ils ont créé toute une histoire, toute une quête qui ressemble un petit peu Seigneur des Anneaux Skyrim. Voilà, tu vois le délire? Avec un bâton magique et un élu, en fait. Un être élu qui doit sauver le monde. Et il se trouve que c'est probablement moi, d'après ce qu'on m'a fait comprendre au début du jeu. Et donc, je suis un nouvel arrivant à South Park. J'ai été contacté, enfin, j'ai contacté Butters, qui m'a ramené à Cartman. Et qui m'a demandé de choisir quelle classe, tu vois, genre voleur, guerrier, mage ou juif. Juif. Guerrier, mage ou juif. Donc perso, j'ai pris guerrier. T'as pas pris juif? Non, j'ai pas pris juif. Ben, je le referai, mais c'est un truc à refaire, tu vois. Mais oui. Il faut le refaire et voir, parce que si ça se trouve, il y a un truc de fou avec le juif. Et, et à noter aussi, comme le dit She-Wolf, c'est que quand il me demande mon nom, Cartman, j'ai beau lui dire ce que je veux, il comprend connard.
Quand je lui dis non, est-ce que c'est bien ça? Il me demande, je lui dis non, il me dit d'accord, c'est connard. Et du coup, il va m'appeler connard pendant tout le jeu. Voilà. Alors, mon perso, il était censé me ressembler. Il me ressemble ou pas? Le problème, c'est que j'ai des nouvelles lunettes parce que j'ai cassé les miennes en deux, je les ai montrées en live la dernière fois, et je les ai pas reçues. Du coup, pour l'épisode 2, ce sera d'actualité. Et je dois choisir une arme suite à l'épisode pilote. Juif, c'est trop cheat. Confirmé connard, mais c'est vraiment des bâtards. Bon, je dois choisir une arme, je pense. Je te pète dessus, d'abord. Tu as peut-être entendu parler de mes exploits à la bataille de l'étang de je sais pas quoi. Non, j'ai rien entendu, moi. C'est le texte que le grand enchanteur m'a donné, c'est bien. Désolé, mais... Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, c'est pas là que je dois choisir une arme? Ils m'ont dit de choisir une arme, normalement. Hey, where the hell are you going? Ben, je m'en vais pas, mais dis-moi ce que je dois faire, alors. Le nouveau, tu as été appelé car tous les humains courent un grave danger. J'ai une faveur à te demander, et en retour, je suis prêt à t'ouvrir les portes de notre royaume. Je sais, tu t'es excité, c'est l'heure de ta première quête, mais avant, révèle-nous ton identité. Ah, ça a fait un petit rollback. Donc on va revivre cette séquence frustrante, où tu t'appelles Eyar. Tu as saisi, connard, c'est bien ça? Non. Tu es sûr de vouloir conserver le pseudonyme connard? Non. Très bien, connard. Tu dois maintenant choisir une classe. Alors, on se retrouve devant le dilemme. Donc, puisque je suis en live, je vais en profiter pour vous demander. Qu'est-ce que je prends, les gars? Parce que je l'avais choisi pendant l'épisode pilote, mais j'avais pas pu vous demander votre avis. Donc, sérieusement, qu'est-ce que je prends? Vous votez pourquoi, vous, Dilingo Anxio? J'étais AFK. Il y a un mini rollback, je suis obligé de re-choisir ma classe. Guerrier, mage, voleur ou juif? Tout le monde me dit. Alors, j'ai un juif. juif. Voleur. Juif à fond. juif. Bon, enfoiré. Juif, ça a l'air épique, juif. Bon, je pense que. Même si tout le monde ne s'est pas manifesté, on est parti pour faire un juif. Hein. T'as pas le choix là. Feu juif. c'est bon les gars, juif, on a compris. Juif. Ah non, mais donc du coup, il m'a donné une petite tenue de juif. Et ouais. il faut le prendre en compte ça, les gars, j'ai une kippa maintenant. Mort de rire. J'ai une kippa et un petit foulard d'Israël sur moi. Wow. Bon, attendez, je clique juste une fois sur voleur. Donc voleur, il faut savoir qu'on a une petite tenue. Une petite tenue de voleur aussi. Mage, on a une petite cape et un petit bandeau. Et guerrier, on a un petit ruban. Ok, bon, mais juif, ok. Bon, on est parti pour un juif, alors. Alors, j'imagine qu'on ne sera jamais amis, Cartman, il m'a dit. Oh, l'enfoiré. Ouais, je sais qu'après, je peux changer le stuff, ouais. Mais Cartman, tu seras jamais mon ami, ça tombe bien, c'est un enculé, il m'appelle connard. J'ai vu Naki, t'inquiète, moi je t'ai vu. Tu m'as dit qu'il me ressemblait en forêt. Voilà. Donc notre petit juif, qui s'appelle connard, doit maintenant acheter une arme de Clyde. Salut Clyde. Je veux voir. Fourbu, comment il m'a appelé? Attends, comment il m'a appelé cet enfoiré? Veux-tu voir mes articles Fourbu Voyageur? Aimerais-tu entendre des astuces et des rumeurs pour 2$? Pas du tout. J'ai pas de sous, mec. Arme. Et je peux acheter qu'un bâton de juif pour l'instant. Ah, il me tue, quoi. Un bâton de juif. Donc, vous voyez pas, je suis niveau 1, hein, c'est en dessous de ma cam. S'il faut la déplacer, on déplacera ça pour le deuxième épisode. Je suis niveau 1 et c'est tout ce qu'il y a sur la gauche de toute façon. Donc un bâton de juif. Ah, acheté. J'essaie de regarder un petit peu les commentaires. Donc c'est bon. Acheté, ouais. C'est bon, hein. J'ai acheté un bâton de juif. Vous avez acquis votre première arme. Appuie sur I pour accéder à ton inventaire.
Et pour l'équiper, donc mon bâton de juif, je le fais glisser. 3 habitudes de DayZ, mec. Tiens. Ok, double clic. Et j'ai équipé mon bâton de juif. Ah, tu t'es procuré une arme, bien joué. Il est temps pour toi d'apprendre à te battre. Maintenant, empoigne ta nouvelle arme et animé du courage du valeureux. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Va botter le cul de chez Toxy. Ok, donc je dois botter le cul de Clyde. Pour divertir Cartman. Ok. Clyde, c'est old school. Tu dois attendre ton tour comme au Moyen-Âge. Okay. Je sais que c'est nul, Clyde, mais c'est comme ça. Ils ont conscience que le tour par tour, c'est nul. Donc il s'est mis en blocage. On dirait qu'on joue à Pokémon, les gars. Attaque foudre. Bâton de juif. Sur lui. Quoi? Il a bloqué. Il a bloqué. Try putting your back into it at the last possible moment. Ah, il faut taper une dernière fois, ok. Il faut recliquer une deuxième fois une fois que l'attaque se lance. Ah, pile au moment où... Ah ouais, d'accord. Pile au moment où il y a le petit étincelle, là, il faut que je retape. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, Clyde porte une armure. Pour l'amocher, je veux que tu frappes. J'ai pas pu voir. C'est trop rapide. Attaque puissante, connard. Tu dois faire vraiment... Attends, fais un clic gauche pour lancer une attaque puissante. Un clic droit, pardon. Faut cliquer quand ça fait clic. Quand ça fait clic, tu tapes. J'ai vu, j'ai eu, t'inquiète. Désolé, le secret pour pousser le combat, c'est se faire latter les couilles. Clad, à ton tour d'attaquer. Connard, protège-toi les couilles. Par contre, ta cam, ça... En fait, ouais, ça gêne complètement. Ouais. Attendez, on va mettre pause 2 secondes. Je mets pause 2 secondes pour déplacer la cam parce que c'est vrai que ça nique tout là. Overlay. Ok. Cam, c'est du direct. Voilà. Ouais, c'est un peu moche, mais... Je vais chercher une bière, j'arrive. Bonne bière. Yep. Voilà, c'est mieux, les amis. Bon, faites un clic droit lorsque l'indication de blocage s'affiche. Clic droit, ok. J'ai pas réussi, je crois. Protège-toi les couilles. Re-anxio. Mais je rate! Ah si, c'est bon. T'es carrément meilleur, ok. Très bien, le moment est venu d'utiliser tes pouvoirs héroïques. Les recours de l'aptitude consomment des points de puissance. Des pipi. Putain, si t'as un meilleur nom, crache-le. Hey, j'ai du mal à lire, c'est trop rapide. Utilise l'aptitude de juif pour apprendre à Clyde à ne pas... J'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. Aptitude. Lance-pierre de David. Jette la première pierre sur n'importe quel ennemi, inflige plus de dégâts en cas d'exécution parfaite, mais peut blesser le lanceur si l'exécution est imparfaite. Attention. Alors, je lis 2 secondes. À la fin de la barre de vie, il y a écrit PD. Ouais. T'as juste oublié le EAR. Ah ouais, j'ai oublié le EAR. Le mec, il fait trop pas attention à ce qu'il fait. C'est moche. Voilà. Merci à toi. Les aléas du direct. Donc je dis que je vais utiliser le lance-pierre. Pylône Q et D. Jusqu'à ce que le lance-pierre soit chargé. Puis, fais un clic gauche pour tirer. Ça va être super agréable pour vous. C'est facile. J'ai paré 2 fois là, non? J'utilise mon lance-pierre de David. Tu vas... Oui, c'est bon, j'ai compris. down, petite étoile juive sur le côté.
pilonne le cul. Oh putain. Seigneur Dieu. Ok, ok, tu as prouvé ta valeur, connard. Maintenant, pénètre dans la tente de guerre. Et franchement, ils ont pas pensé aux pauvres français qui devaient lire rapidement de longues phrases. Je regarde un peu mon look, putain. Hey, je peux mettre des petits coups. Hey, je vais péter sur Clyde juste. T'es battu. Tiens. Tiens. Un petit pour toi, Kenny. Voilà. Un petit pour Butters. Et on rentre. Et bien voilà, la raison pour laquelle les humains et les elfes se livrent la guerre sans fin. La relique pour laquelle les humains et les elfes sont prêts à donner leur vie. Le bâton de vérité. Putain, c'est un vieux bout de bois pourri. Voici deux jours seulement que nous avons utilisé le bâton aux elfes. Nous rendons mourir, mais aujourd'hui il prospère car quiconque est maître du bâton. C'est impossible, ne contente pas trop longtemps, son pouvoir est trop grand. Essayez de lire, je sais pas si la qualité dans laquelle je vous propose le live vous permet de lire. Maintenant que tu as vu le bâton de vérité, alerte, alerte, Butters! Les elfes attaquent! À vos postes de défense, juifs! Je peux fouiller ou pas? Je peux prendre le... Prends le bâton, prends le bâton, prends! Prends le bâton, bordel! Ok, donc il y a que ça ici. J'aurais dû parce qu'il y a plein de petits objets normalement. Donc ça, c'est la carte de South Park. Vous arrivez à lire? Eh ben écoutez, c'est nickel. Parce qu'au moins, j'y arrive pas. C'est trop rapide, ils sont fous. C'est deux fois plus rapide à dire de l'anglais. Ouais, aussi, ouais. Viens chercher! Clyde, surveille le bâton de la vérité pendant qu'on défend la forteresse! Ça va fighter, les gars! Qu'est-ce que je dois faire? Je le latte! Latte-lui les couilles! Petit P! Il est mort! Oh putain! Je te provoque en duel! Archer level 2! Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, j'ai raté! Qu'est-ce qu'il va faire? C'est à qui d'attaquer? Ah, j'ai pas d'aptitude! Objet. Petite potion de santé, utilise objet. Ah ouais, il m'avait mis cher, ça, encore. 12? Ah, mais il a que 12 de santé! Ok. Je remonte ma santé. Vous pouvez utiliser des objets, hein? Ouais, ok. Attaque prendra fin. Ok, ça, donc j'utilise un tour bien sûr pour utiliser ma potion. C'était un ami celui que t'as tapé à terre. Putain, j'ai esquivé? Je sais pas si je l'ai esquivé en fait. Ouais, j'ai contré. Regarde ton ennemi au sol, faible. Sans défense, fais-lui sortir. La quoi? J'ai mis un coup dans le cul. Salut petit potame, je suis juif. Bim. En plus tu peux contrer les attaques quand t'es... Ouais c'est cool, franchement c'est bien. Hop, je t'attaque toi. Lance-pierre de David. 58, il est down. Non? Il est pas down, il est confus. Je suis trop fort. Trop fort, ils peuvent rien faire contre moi. Non, ils ont pas tué hier. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes sûr que c'est mon ami? C'est un elf, et oui, il avait les oreilles pointues, j'ai tapé mon pote tout à l'heure. Mais à chaque fois, ils se mettent à deux contre moi. Riposte. Je contre! Qu'est-ce que t'attends, connard? Le type est planté là, botte-lui le cul! Ah, j'ai un arc! Arc de turlute. L'arc de turlute, quoi. Oh, il m'a riposté, ben oui. Tu ne peux pas l'attaquer comme ça, et ouais, quand il est en poste, tu ripostes. Mais c'est l'esprit pour m'atteindre, pour m'apprendre, c'est un tutoriel. Alors, les ennemis en posture de riposte peuvent contrer les attaques portées avec des armes de corps à corps. Contre eux, utilisent des flèches, mais je pouvais pas parce que c'était pour monter l'exemple. Ok, regarde cet archer qui se planque derrière son pote comme une chiffre molle. Sors tes flèches, connard, et snipe-le.
L'arc de la turlute. Hop, je vais tirer sur l'archer qu'il y a derrière. Triple flèche. Ah, c'est de la bombe. Quoi? Renvoie des dégâts. Attention connard, tes flèches n'ont plus aucun effet sur ce type, tu dois essayer autre chose. Alors, les ennemis en posture de renvoi peuvent contrer les attaques portées avec des armes de distance contre eux, utilisent des aptitudes ou des armes de corps à corps. Bah écoute, pour l'achever, on va lui mettre une aptitude. Tu connais pas le lance-pierre de David. Voilà, c'est terminé. Alors je vais lire 2 secondes, hein, j'attends que cette action soit terminée. Il y a un elfe qui s'en prend au chat. Tu veux que je te latte la gueule? C'est n'importe quoi ce jeu. Ils ont des casques. Vas-y connard. Alors lui il est en riposte. Et lui il est en bouclier. Ok, ce type a un bouclier. D'accord. Les boucliers sont super faibles. Frappe-les maintenant avec... Alors... peuvent intégralement bloquer plusieurs coups. Contre eux, utilisent des attaques normales ou des aptitudes infligeant plusieurs coups. J'ai pas ça. C'est simple. L'autre elfe a baissé sa garde. Ok. L'arme réduite des... contre l'armure, utilisez des attaques puissantes ou des aptitudes infligeant un seul coup massif. Et là, je vais faire un clic gauche pour attaquer, ou clic droit pour asséner une attaque puissante. Donc, clic droit. Maintenant, achève-le. Pourquoi tu rigoles? Alors, il est pas marrant ce jeu? Boum! Bim, bâton dans le cul! J'ai pas utilisé mes aptitudes, là, je vais... Voilà, c'est fini. Il a rien pu faire, les gars. Ah, il y a une petite potion, les gars. Génial, mec. Mangez ça, les elfes de mon cul. Vous ferez mieux la prochaine fois. Moi, bon, bref. Il faut écouter ces mimiques parce que c'est l'équivalent des mimiques françaises. C'est celles qui sont cultes, mais... mais en VO quoi. On s'est fait voler le bâton. Tu es banni de l'espace-temps. Oh putain, Anto, ce que tu me dis là. Donc la quête va être de retrouver le bâton, bien sûr. Je veux que tu fasses le tour du voisinage à la recherche de mes meilleurs guerriers, Token, Twig, Greg, Craig, pardon. Je t'envoie, bref. Mais prends garde, les territoires extérieurs grouillent d'elfes noirs, de monstres et de CM2 tapis dans l'ombre. Pense à bien t'équiper, maintenant disparaît et envoie mes combattants. Quête accomplie, le nouveau en ville. Donc il y a Anto qui me disait que quand on est chez nous, on peut réussir à couler un bronze, chose que j'ai raté pendant l'épisode pilote, et le ramasser pour le jeter sur nos ennemis. Donc c'est pas mal, enfin c'est pas mal, oui. C'est une idée quoi. Tu joues avec ton caca quoi. Ouais voilà, la base. Flèche usée, je vais ramasser un petit peu les débris du combat. Tout prendre, j'ai gagné des petites voitures et tout, enfin je suis riche quoi. Alors mission numéro 1, trouver Twig, trouver Token et trouver Craig. Ah, j'ai cueilli une jonquille, objet de quête. Je savais pas. Pool of vision, bon, la piscine des visions. Tu mets ta tête dedans, t'as des visions. Tout à fait normal. Timmy, tu peux appeler Timmy? Tes couilles. Timmy fast travel. Tes couilles. Renaki. Timmy fast travel. Et ben là il a, ben tu le vois de toute façon si tu regardes le live avec un décalage, il a son fauteuil mais il a un poney et il peut te faire des voyages rapides. Et si tu l'appelles Timmy. Non, il dit pas Timmy. Ah mais il est pas online ce jeu. Non. Non, il est pris, sinon. Totalement solo et c'est dommage. Mais bon en même temps c'est leur première
C'est leur premier vrai South Park. Ça gaze. Ça gaze. Ouais, c'était une blague. Non, j'ai fait. Derrière, il m'a dit raciste. Oh putain, la mère à Cartman. Vous venez de passer au niveau supérieur et disposez d'un point à répartir dans vos aptitudes. Appuyez sur N pour ouvrir la liste des aptitudes. Putain, Skyrim quoi. J'ai une nouvelle aptitude qui s'appelle Juif Jitsu. Du Juif Jitsu. Recourez à un art martial juif occulte pour rouer de coups votre cible par une frappe étourdissante. Par contre, il faut l'acheter. Combien elle coûte? Un point d'aptitude, forcément. C'est débile ce que je viens de dire. Donc écoutez, on va faire un petit tour en ville. Il est énorme ce jeu. Yo Sanjin. Il coûte combien? Il coûte malheureusement un petit peu cher, mais bon, en même temps, c'est un jeu. C'est un jeu Ubisoft, hein, c'est pas un jeu indé. Il coûte 39 euros. Ils sont tapés des barres, fait ça. Ouais, c'est Ubisoft qui a repris le droit. Au début, c'était pas Ubisoft, c'était une autre boîte qui a abandonné le projet. Mais bon, je leur tire pas quand même mon chapeau à Ubisoft parce que franchement, pas trouvé nécessaire de proposer la VF, ça me déçoit beaucoup. Surtout avec. Bah, c'est dommage, moi je reconnais pas trop sa voix, Cartman, du coup je suis un peu. Ah, ben non, tu peux pas la reconnaître. Je vais fouiller un petit peu chez Cartman. Book de Cartman maléfique. Non! Tu l'as vu celui-là, Anxio? Non, je le vois en décalé, donc pas encore. Le book, mais tu sens le book maléfique, tu sais ce que c'est? Le fameux épisode où il y a un vendeur d'animaux qui a construit son magasin sur un ancien cimetière indien. Ouais. Sauf que vu qu'il était bourré quand il l'a fait, ben, il a déterré les cadavres, il les a renterrés à l'envers en leur pissant dessus. Et du coup, la tante de Stan lui a acheté un poisson rouge. D'accord. Et ce poisson rouge était un poisson rouge maléfique qui s'est mis à tuer tous les gens. Et tous les animaux qui étaient vendus à la boutique... était maléfique aussi. Et via cette même faille temporelle, il y a l'anti-Cartman, l'anti-Stan, l'anti-Kyle, mais pas l'anti-Kenny, qui a passé dans cette faille. Du coup, tu te retrouves avec Stan et Kyle avec des books qui sont méchants. Je sais pas s'ils ont des books. Je suis pas sûr qu'ils ont des books. Bref, ils sont méchants. Et par contre, l'anti-Cartman, lui, est super gentil, tu vois. D'accord, ouais. Dans leur monde, chef, c'est un petit, maigre et blanc. Ouais, c'est tout l'inverse, c'est un gros délire de South Park. La clé du garage de Cartman. Je monte à l'étage. C'est vraiment un jeu où il faut fouiller. C'est un petit peu, comme je disais, un espèce de Skyrim en 2D. C'est quoi le terme d'ailleurs, Anxio, dans Game Dev Tycoon, quand t'as de la 2D et que tu peux aller dans la profondeur? Ou de la 2D isométrique. Un truc comme ça. Bon bref, c'est un truc comme ça, les gars. This is the king's room. I don't think we're supposed to be. Les appartements du roi, on ne devrait pas être ici. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Ça te regarde, Butters? Tu fermes ta gueule. Tu n'as rien vu. Oh putain, ça c'est sa radio, la fameuse radio à Cartman. Celle sur laquelle il danse sur du... Ah putain, je me rappelle plus son nom. Il se déguise en Britney Spears. Alors, pour ceux qui connaissent vraiment la série, il n'y a que des clins d'œil. Mais c'est rempli de clins d'œil. Par exemple, ça, c'est les petits pilons de poulet que Cartman, il se gave à chaque fois. Et la plupart du temps, quand il est avec ses collègues, il mange que la peau. Et le meilleur, quoi. Et il leur laisse les pilons de poulet. Ça, c'est... il s'appelle Owenson O. Mais en français, c'est... comment il s'appelle, le robot de Cartman en carton, là? Il se met dedans en fait et il fait croire à Butters que. Génialo il s'appelle. Non, en fait, je suis pas un enfant. Alors, déjà, il faut savoir que South Park, je le regarde depuis aussi loin que je m'en souvienne. C'est sorti en 2007. J'ai dû commencer à le regarder en 2000. Et j'ai actuellement 13 saisons sur mon disque dur que je me trimballe depuis 10 ans. Et je les regarde en boucle. En boucle les 10 saisons. Donc, même si j'ai du mal à retenir des choses, je connais tout. Je connais toutes les facettes. Ça, c'est son costume. C'est un épisode plus récent. C'est Cartman. Il a un délire. Il se déguise en raton laveur. Et il fait le justicier dans la ville. Cette canne, elle me dit rien. Bon, ça, c'est génial, le robot. Il y a sûrement des trucs qui n'ont rien à voir. Ou peut-être des épisodes plus récents. Que je n'ai pas, par contre. Ça, c'est son petit dinosaure. Bon, bref. Je vais pas tout vous raconter. Vous n'êtes pas là pour ça. Non!
Et ça, c'est le petit aquarium dans lequel il essaye de reproduire une vie. Je suis sûr que ça peut marcher. Je suis sûr qu'on peut faire interagir un objet et leur foutre la vie. C'est des crevettes. Et ils les font manger à la prof et elle meurt après. Et ils vont dire à Chef qu'ils croient qu'ils ont, ils ont tué la prof parce qu'ils y ont mis de leurs semences dans la bouche. Et Chef, il pense autre chose. En fait, c'est juste des semences de crevettes. Bref. Je vais dire bref plusieurs fois parce qu'il y a trop de trucs qui vont me rappeler des trucs. C'est quoi ça? C'est le chargement? Ok, autant pour moi. Merci d'avoir acheté le pack téléchargement Amitié Ultime. J'ai rien acheté, moi. Les objets de ce pack sont désormais disponibles dans le coffre à jouets de votre chambre. T'as seulement regardé l'épisode sur WoW, et ben c'est un des meilleurs. South Parkpedia. Non, non, j'ai... Si ma copine serait là pour à côté, rien que pour me dire ça, 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 je suis sûr qu'elle vous trouverait... Elle a beaucoup plus de mémoire que moi. On n'a pas le droit d'aller dans la rue, c'est un mode tellement ouvert. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc ça, c'est un gym Pokémon. Je peux pas le prendre. Ah si. C'est Penguin. Gym Pokémon. Si vous voulez que je vous parle de gym Pokémon. Vous savez pas ce que c'est les gym Pokémon? Putain, y'a que des pilons de poulet. Tu l'as vu en sur l'épisode des gym Pokémon? J'en ai vu beaucoup, je t'avoue, je me sens bien. Il est énorme. C'est énorme, les gym Pokémon, c'est en Chine, ils ont développé des... à la façon de Pokémon. Ouais. Énormément de personnages différents issus de, d'animaux qui existent avec des noms complètement farfelus, tu vois. Et en fait, ils ont des messages qu'ils répètent pendant la nuit, etc. Ils sont programmés pour manipuler la jeunesse américaine et la retourner contre l'Amérique, tout simplement, pour en faire un Pearl Harbor niveau 2. Ils sont formatés, quoi. À la fin, ils finissent par prendre des avions de chasse et vouloir se bombarder sur... Oh, je peux pas le choper, ce gym Pokémon. Je peux pas, ok. Je peux taper dans ça. Nous devons nous concentrer sur la quête. Ben, je veux bien, mon petit, mais... Je sais pas trop quoi te dire. Pour détruire d'attaque, placez-vous devant un objet et cliquez sur le bouton gauche de la souris. Voilà. Alors, j'attends un petit peu. Tellement énorme cet épisode. Ils sont tous énormes. Ils sont tous énormes. Plus ou moins marquants, mais ils sont tous énormes. Vas-y, tape dans les pylons. Dans quoi? Ah, dans les pylons? Ah, tu crois que ça fait quelque chose? Attendez, parce qu'on sait jamais, il y en a qui l'ont déjà fait. Je vais taper dans les pylons vite. Alors ça, c'est l'ami de Butters. Il se rend compte quand il veut faire capitaine. Ah putain, mais en anglais, je sais pas comment ça se prononce. A plus, Gobelin, merci de passer. Il y a un épisode où... où il veut dominer le monde, Butters. Ouais, je crois, ah ouais, bien joué. Fémur de volaille. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ça, c'est une de mes lacunes, ça. Moi, je peux pas retenir trop de noms. Utilise ton arc, ok. Vraiment un nom à la con, en plus. J'ai pas d'arc, si. Général Désolation. Général Désolation, c'est ça. Mais ouais, mais comment je fais pour utiliser mon arc? Ouais, c'est Général Désolation. Et je sais plus comment il s'appelle, Butters. Il s'appelle... Comment je fais pour utiliser mon arc, les gars? Écureuil à l'arc. Tire dessus à l'arc. Tout le monde me dit ça, mais... Il y a écrit tire, ok. Et qu'est-ce que je fais? Bien joué, c'est F, les gars. Chouchou Nezumi. Comment il s'appelle? Chouchou Nezumi, quoi. Et je peux tirer sur ça aussi? Ok, ça fait rien. Merci, les gars, merci. Est-ce que je peux casser pour aller chercher le sac? Et ouais. Potion de santé petite plus potion de puissance. Prendre.
Alors attendez, j'ai vu un truc. Professeur K.O. Professeur K.O. et Général Désolation. Qui peut m'aider quand je fais un don, l'argent sort pas de mon compte. Bah, si t'as PayPal, si t'as des sous sur ton PayPal, ça sort que PayPal. Mais si t'as pas de sous sur ton PayPal, logiquement, si ta carte bancaire est associée, ça doit directement prendre les sous de ta carte bancaire. Et je pense que ça vient pas de moi, je pense que ça vient de la vidéo. Ça va marcher. Alors, votre emplacement est indiqué par la flèche jaune. Les points d'exclamation indiquent les objets de quête. Survolez-les pour voir les lieux et la quête associée. Ok, donc c'est sympa parce que... Il faut savoir un truc, c'est que vu que c'est toujours en 2D sur South Park, dans l'épisode, je veux dire dans la série, on sait pas où est la maison de Kyle par rapport à la maison à Cartman, par exemple. Ce qu'on sait, c'est que là, c'est la maison de Token, le Black, puisque ses parents sont super riches. Ils sont tous les deux avocats, je crois. Non, pas avocats. Je sais plus. Bref, là, c'est la salle commune. Où est la maison de Kenny? Ça doit être un taudis. Il y est pas. Ok, elle y est pas. Donc le but, c'est d'aller chez Token, je pense. Votre emplacement est indiqué par la flèche jaune. Les points d'exclamation indiquent les objectifs de la quête. Survolez-les pour voir les lieux et la quête associée qui vous y attend. Ok. C'est bien, ouais, ouais. Je suis d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Proposer à Token de vous joindre pour votre jeu. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. Maintenant, comment je fais? Elle est pas du tout pareille en anglais. Alors où ils m'ont posé là? Mais ils m'ont posé juste à côté. Ah, bouge la map. Merci. Donc ça c'est quoi? C'est la ferme, ouais. C'est la fameuse ferme où il envoie les parents de l'autre enfoiré là. Et ça c'est la maison de Kenny. Donc le taudis à la sortie de la ville. En fait, je me rappelle des trucs. Ça, c'est le ciné, ok. Ça, c'est la boutique de café de Twig. Parce que les parents de Twig sont des fabricants et des vendeurs de café. Et c'est pour ça qu'il est super, super speed. C'est parce qu'il le bourre de café. Dès qu'il va pas bien, il lui donne du café. Et du coup, il est un petit peu... Il a un petit peu des tocs. Ça, c'est l'école. Ouais, je savais que dans chaque épisode, il y avait un alien caché. Mais j'ai l'impression qu'il y en a certains où ils l'ont oublié, je crois. C'est des gens un petit peu chelous, ouais, les gens qui ont fait South Park, faut se le dire. Oh putain! Les elfes m'ont tendu un guet-apens! Sortez-moi de là! C'est... J'ai pas le temps de dire. Tu as déménagé dans le mauvais royaume! Je suis avec Butters, je ne risque rien! Attaque améliorée. Suck my balls. Suce mes boules, il est sale. Ah, tu fais moi le malin. C'est moi qui le fais attaquer aussi. Toucher de guérison. Merci, Butters. Lors du tour de votre pas, vous pouvez utiliser un objet ou son action rapide pour attaquer. Attaquer mais faire à son tour. Veillez donc à ce que l'objet d'action rapide... C'est compliqué quand même, oh. Marteau de Butters, aptitude... Qu'est-ce qu'il a comme aptitude? Marteau de la justice. Ok. Qu'est-ce que je devais faire? Je sais pas ce que je devais faire. Non! Je suis en sang! Hey, look, you're bleeding. Oh, je saigne! Les attaques des ennemis, tu peux voir les effets de statue. Comment vous-même, l'écran examiné pour consulter les effets de statue. Putain, mais c'est chaud! Oh, il est poussé ce jeu, c'est quoi ce délire? Regarde, c'est. Ouais, c'est bon, j'ai vu tous vos commentaires, il me semble. Ouais, bah c'est bien, je saigne, mais qu'est-ce que je passe? Cause des dommages, ok, ouais, bah c'est bien, mais je peux rien y faire.
Ok, donc là, ils m'apprennent à me servir d'un deuxième personnage. Potion de guérison. Stop dicking around. C'est une bouteille d'eau, la potion de guérison. Make sure you always carry a few potions. Don't get grounded for raiding a pup here in Canada, okay? Bon, je vais attaquer. Man, I could be watching TV right now. Je vais faire mon attaque du bâton de juif sur celui-là. Voilà, comme ça il a plus de bouclier. Ils se soignent entre eux, ces enfoirés. Je contre les coups, les gars. Je suis fort. Oh, 44 de dégâts. Oh putain, j'essaye encore plus. Potion de fortitude, les gars. Potion de guérison. Ah bah là, de la vulgarité, t'as pas fini. Mais je vous jure, c'est Pokémon. Désolé, je suis concentré. C'est bizarre de dire ça pour un jeu comme ça, mais. J'ai contré, mais lui, non. Nobody likes me. Oh, il me... Oh mon dieu! Ils ont tué connard! Bienvenue au paradis! Oh putain! Ils ont fait quelque chose? Non, ils ont rien fait pour le paradis, ça va. Ils auraient pu aller loin, c'est en forêt. C'est reparti, deuxième bataille, cette fois je sais m'y prendre. Ouais, tu vas voir. Je suis habitué maintenant. Bats-toi! Asshole! Je vais les enchaîner cette fois. Faut virer Spock de la modération sur Twitch. Y'a que Hanxo qui gère. Faut virer Spock là. I got your back, yo. Have peace. I better wait a turn before I do any more healing. Oh, du tout, notre propre plus. Ouais, ça c'est bon, je l'ai déjà fait. Ah, je peux taper que ceux de devant avec une arme comme ça. Et ouais. Let's go, asshole. On va casser son bouclier direct. Ah, on peut pas, putain. Oh, putain. Il me défonce en faisant saigner. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Je sais comment ça marche, allez, je sais comment ça marche. Allez, prends cette potion, c'est parti, potion de guérison, utiliser objet sur moi. Ah, ils m'ont défoncé tout à l'heure, je sais pas comment je vais faire. Bâton de juif sur lui. Voilà. Ok, donc lui, il survit pas. Un point de dégâts aussi, c'est rien. Stop digging around. By the hammer of Zeus. Oh, vénère. Oh, je l'ai choqué. Putain, il saigne Butters. C'est pas grave. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Potion de guérison, potion de puissance, potion de santé petite, utilisez l'objet sur moi. Bref, très bien. Yep. FKPP.
Bim, t'es down. FKK. Il l'a touché. Il faut que je sonne Butters. Ah, il est là, il est là. Qui est là? Il est là. On va s'en sortir les gars. Ah, je peux pas utiliser l'aptitude. Il est déjà mort lui. I have to go to the bathroom. Eh ouais, riposte, je savais en plus. Et je pouvais rien utiliser. Oh, Je suis sorti du jeu. Soigne, vite. Il faut que j'empêche Butters de mourir. Il est down! Ils sont plus que deux! Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Toujours pas assez de PV. Je peux rien faire. Putain, mais c'est complexe quand même! Je me croirais dans Final Fantasy là un peu. Et Yar, utilise ta nouvelle compétence, carrément! Bien vu! Je vais le faire si je peux. Par contre, là, je suis dans la merde, puisque lui, je peux pas passer mon tour. Je peux rien faire. Je peux pas passer mon tour. Pas possible. Man, bon, bah. I could be watching TV right now. Je dois taper. Je le tape au sol, c'est pas grave. Je le tape au sol, je le force à fuir le combat. Oh. Ah, il resaigne, cette merde. Attention, juif jitsu sur... Alors, pilonnez rapidement le bouton gauche de la souris pour libérer votre gourou sacré. Gourou sacré, pardon. Voilà, il est down, direct. Juif jitsu, ça pardonne pas. Ça marche tellement bien en anglais, dans cette blague. De quoi, pardon? Juif, ça marche tellement bien en portant leur blague de juif jitsu. Eh oui. Juif en anglais c'est Jujitsu, tu vois, ça marche à fond en point. Ouais, ouais, ça... mais bon, c'est pas mal quand même. Mais bon, ouais, ça passe avec le Jujitsu. Come on! Il peut pas se faire un toucher de guérison sur lui-même? Ah putain, il peut pas frapper ce con là. Il va se faire toucher, je sais, mais bon, c'est normal. Je sais pas comment on fait pour passer son tour, en fait. Ok. Alors lui, il faut que je touche avec une arme de distance. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par exemple. Mon lance-pierre de David. One shot. Ils peuvent rien faire contre moi. Je suis trop fort. Il le avec son aptitude. Il peut pas se healer soi-même, lui-même, je veux dire, avec son aptitude touchée. On peut les défroquer. Tout prendre. Oh, ils avaient des bons trucs. Salut toi. Je te connais pas, t'existes pas. Kaylee. Désolé, mais on peut pas être amis, mais que tu aies davantage d'amis. Quoi? Ah! Il me faut plus d'amis pour avoir un ami. Intéressant. Voilà, je dégomme un oiseau, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Oh, le flic! Officier Barbrady! I'll be watching you, new kid, on Facebook. Nouvelle demande d'amis. Sur le Facebook. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je peux pas le prendre ça? Oh là, mais ils sont sur la banque! Ils sont sur la banque, les elfes! Hey, Big Nose, you should consider having some... Gros nez? Mais tu veux une flèche dans ta gueule? Oh. Alors? Fais-moi le malin! Je te victimise. Salut toi!
sais que je suis petit, mais je suis à la bonne hauteur. Ça, je sais pas ce que c'est. Tu dois toujours commencer par battre le soigneur. Bah ouais, ouais, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux les taper, ces bonhommes de neige, là? Et ouais. Je peux les dégommer, du coup, passer derrière. Venir ici et récupérer le trésor. Lunettes de sport, grande... Ouais, c'est nickel, ça. Par contre, il y a des trucs en hauteur, je pense que je peux pas encore les prendre pour l'instant. Je pourrais probablement les prendre après. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu parles pas? Non. C'est le marché, c'est là que les héros peuvent venir s'équiper pour l'aventure. Se faire quoi? Je vais aller l'aider là-bas. Salut, Phil. Gardons ça entre nous, d'accord? On est tellement bons amis. Je me fais des amis, moi. C'est ma quête, quoi. Ouais. Photo dojo. Assassin's Fire, c'est le film des... Ah putain, j'ai oublié leur nom, quoi. Ah, comment je peux oublier leur nom? C'est pas possible. Terrence et Philippe. Twix, Bows. C'est ici. Attendez, il y a un truc là. Tout prendre. On va trouver Twix. Twix, pardon. Pourquoi je l'appelais Twix? C'est bien, franchement. Oh putain, il est chelou. Over here. Psst. Yeah. Don't worry, I'm not here to hurt you. C'est Al Gore. Al Gore. Oh putain, il va me parler de l'homme au sport. J'ai détecté une activité des plus étranges dans cette zone. Je crois qu'on a affaire à l'homme au sport, j'en étais sûr. Oui, l'homme au sport. Si tu as peur, j'ai besoin de ton aide. Prends ça et place-le aux endroits indiqués sur le cartoon. Et maintenant, je vais t'ajouter à ma liste d'amis sur Facebook. C'est très honorifique. Oh putain. Je suis super sérieux. Et ça, c'est un épisode à voir aussi. Hein. L'homme au sport avec Al Gore. Ah bah oui. Si vous avez pas vu ça, vous avez déjà raté la moitié de votre vie. Ouais. Allez. Classique absolu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre Twig. On va clore la première partie de la quête. Et on va clore ici le premier épisode, puisque le but, c'est quand même d'en faire plusieurs. Et pourquoi pas donner la chance à ceux qui ont raté le premier de voir le deuxième. Donc si on enchaîne le jeu trop rapidement, ça le fera pas, quoi. Ils lui mettent la pression à Twig. Il est super stressé et il le stresse davantage. Le café, comment ils appellent ça déjà? Parce qu'il s'appelle Twig, il s'appelle... Ah mais c'est Monsieur Twig, donc c'est ça, c'est le... Le café Twig, vous repose, je crois quoi, il y a toute une pub autour du café. Je m'en rappelle plus, quoi. Tous les épisodes sont... Ça sent... Je vais le dire quelque chose, je peux le casser ça? Eh oui, je peux le casser. Un sac Terrence et Philippe. Qu'est-ce que vous dites? C'est un super sérieux. Comment il a dit J'ai pas vu. Je lis un petit peu aux commentaires si j'ai raté quelque chose. Ouais, j'ai remarqué ça, Darkman. J'ai remarqué dans l'épisode pilote déjà. Vas-y, je joue pas au RPG moi, Anxion Enfoiré. Moi, pour moi, le RPG, c'est un lance-missile. Ouais, bah, c'est tout, hein. On va trouver Twig. Il doit être derrière. Twig, il est comme ça, il cligne des yeux. Recruter Twig. Hey, Twig. Mettez la barre d'espace pour passer, ok. Twig, c'est quoi ça? Maintenant, les gars, je suis débordé. Comment vais-je m'occuper de tout ça? Oh putain, il va falloir que je fasse un truc. S'il te plaît, tu veux bien, chez Kenny, comme toujours. Tu leur donnes ça en échange de la marchandise. Chez Kenny, d'accord. Donc il faut que je fasse une petite quête pour récupérer Twig. C'est la seule qu'on va faire pour ce premier épisode. Ça aura duré déjà bien longtemps, ça fait...
Ça fera approximativement une heure. Si on se fait une heure pour chaque épisode, donc je pense qu'on sera pas trop mal. Nouveau message de l'officier Barbrady. Vous avez trois amis. J'ai Al Gore en ami sur Facebook, quoi. Millie et officier Barbrady. Qu'est-ce que c'est ça? Cher journal, aujourd'hui, moi et nouveau, on est devenus amis. Il est trop sympa. J'espère qu'il m'apprécie aussi. Bonjour, mon jeune ami, c'est Al Gore. C'est moi sur la grande photo Facebook. Je te parle, là. Ouais, ok. Donc, c'est tous mes amis, hein. Je dois faire don d'une bonne partie de mon argent de poche. C'est l'une des règles auxquelles se plie le paladin. Quelqu'un sait à qui il faut le donner? C'est à moi. C'est à moi. Ton roi réclame son tribut, paladin. Viens me parler. C'est les communications Facebook, en fait, là. Donc, Butters, ok, c'était le premier. Va te faire foutre, le nouveau. T'allais bien avant que tu te pointes. Tu ne perds rien pour apprendre. Donc, il va y avoir une vengeance de Clyde. Quelque part, j'ai l'impression que notre amitié a monté d'un cran. Peut-être même au niveau ultime. Ah, hein? C'est bizarre, ça. Butters aime ça. C'est n'importe quoi. Et ouais, j'avais un message, mais du coup, c'était juste ça, le message. Donc, la carte, c'est où je suis. Et il faut que j'aille chez Kenny. Par contre, j'ai pas trop compris au niveau des déplacements rapides, comment ça se passe. Je vais essayer de trouver le petit repère qui me permet d'appeler. Kimmy! À plus à ceux qui s'en vont. On va finir sur ça, comme je le disais, mais il faut quand même que je fasse une petite quête qui va probablement pas se finir aussi rapidement que ça. Je peux le prendre, ça, ou pas? Il y a des trucs là-dessous. Il est là, le gars. Tu ne devrais pas être à l'école? Je t'emmerde! Je défonce tout. Hop, ici, je peux appeler Timmy. Quoi, l'argent, c'est même pas à moi? Ok, donc il y a plusieurs points. Il faut que je les appelle une fois pour pouvoir me rapprocher. Je pense que ça fonctionne comme ça. Donc je vais me déplacer jusqu'ici. Donc tous ont une quête, ok. Je crois avoir compris à peu près comment ça fonctionne. Donc là, c'est le jardin. Et je vais le connaître par cœur. Maintenant, je saurai me localiser dans les épisodes, quoi. Ça va être un truc de fou. C'est vrai que dans les épisodes, on n'a pas vraiment une vue de la carte. Ouais. Je sais pas si, au final, avec les quelques petits passages en 3D qu'ils ont fait pour s'amuser... Oh, je suis en train de me faire bouffer par des rats morts. Comment je fais? Je peux pas passer, là. Ils me font mal. Je peux pas leur péter dessus ou quoi? Ok, je peux pas les faire partir. Il doit falloir quelque chose de spécial. Tu devrais peut-être consulter. Mec, j'y pète dessus. Y'a un autre passage ou pas? Mais y'a pas d'autre passage. Comment tu veux que j'aille chez Kenny? Il m'a bien dit d'aller chez Kenny. Résumer les pineux dilemmes de Twig. Apparemment, faut que tu pètes sur les rats. Non, je l'aurais fait. Après, on verra, monsieur Poptoy. Non, mais j'ai pété dessus, ça a rien fait. Je pourrais essayer si vous voulez, mais. Ah, lâche-moi. Non, je leur pète dessus, ça fait rien. Je peux rien faire, les gars. Je suis passé par derrière. Ah ouais, non. Non! Je peux pas passer par derrière. Non, j'enchaînerai, les gars. Là, c'est le premier épisode. Par contre, je suis bloqué, là. Je suis vraiment bloqué, je sais pas quoi faire. Comment je peux résoudre la quête si je peux pas passer? On peut passer par là. Je sais pas, peut-être qu'on a une chance de passer par le dessus. En suivant les rails, je sais pas. Je sais pas si c'est possible. On va voir. Passage par le parc d'attractions.
Comment ça, le parc d'attractions? Tu vois un parc d'attractions, toi? Par le parc, tu veux dire? Ah oui, le petit parc, d'accord. Autant pour moi. En effet, il y a un chemin. Alors, comment on passe, là, exactement? Il faut que je traverse à droite. Voilà. Salut. Je te pète dessus si tu réponds pas. Je pète sur les filles, je m'en bats les couilles. Je suis un ouf, je te pète dessus. Je m'en bats les couilles, je suis dans mon pantalon si je veux. Toi aussi, je te pète dessus. Toi là, où tu vas. Je te pète dessus, dégage. Ah, y'a un truc caché là-dedans. Y'a un truc caché là-dedans. Toi, t'es petite, t'es mignonne. Je te pète dessus, je m'envoie les couilles de ce que tu vas me dire. Non, le frère de Kyle. Attends, y'a le frère de Kyle. Je veux le voir, lui. C'est sûrement un personnage important. Je suis un roi pirate. Allez, je te pète dessus pour la peine. Il avait rien à me dire. Ok. Où j'ai eu le jeu? J'ai eu le jeu tout simplement sur Steam. Il y a probablement la possibilité de l'acheter via une autre... Oh, c'est sympa, ça. Via une autre plateforme. Non, pas une plateforme, mais d'acquérir une clé ailleurs pour l'avoir peut-être un peu moins cher. Mais l'activer sur Steam, je pense, reste la meilleure solution. Oh... Tu fais un bonhomme de neige? Mon géant des glaces est invincible. Tiens! Tu as pourfendu le puissant géant. Putain, il m'admire, le mec. C'est le mec sur YouTube, les gars. Je lui fais mal, et il m'admire. Je persiste à admirer, ok. C'est ouvert? Non? On est chez Kyle! Je suis juif, moi aussi. Bienvenue dans le quartier. Si tu veux intenter un procès, ouais, parce qu'il est avocat. Le père de Kyle. Il y a un elf. Tu peux pas me voir? Mais si, je peux te voir. Je peux te péter dessus, même. Tiens. C'est un elf. Non, c'est que vous avez pas actualisé, ouais, comme le dit Spock. Il y a un nouveau Gym Pokémon. Phoenix! Gym Pokémon. C'est parti, on va chez Kenny. Oh là là, ça va se fighter, les gars. Je suis pas obligé de me fighter. Ah! Un rouleau en carton. Donc là, c'est le dépotoir. Hein. On est chez Kenny. Je tape dans tous les tas de merde que je trouve. Yeah! Donc dès que ça klaxonne, ça veut dire que je pourrais me téléporter ici. Attends, c'est sa maison, on peut rentrer par le garage ou quoi? Il y a un clochard là-bas, on va aller voir ici. Hé! Tesson de verre. Salut! Il vient de me latter la gueule? Je vais me battre contre un clochard! Oh! Il a défoncé Butters! Pour la peine, je vais utiliser le juif Jitsu! Je te lave les couilles! Il est étourdi, 225 points! Il va nous tuer, lui. Butters châtie tous les ennemis en enfilade avec des dégâts de foudre massif, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ok. Putain, il a beaucoup de points, lui. C'est un adulte, mec. On va latter du clochard, les gars. Alors, bâton de juif. 20 points de dégâts. Il est à terre, faut en profiter, là. On peut l'enchaîner. J'ai plus de... de points de pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire? Spare change. C'est bon, tu lock là.
Avec quoi je voulais enchaîner, putain. Give me some change, goddammit. En moins de plus de 4000. Muscle plus 4000. C'est le truc qui mange Cartman pour devenir musclé et au final il devient obèse. Augmente les PP. Il vous restaure 40% de vos PP. Toi, il faudrait plutôt que tu te soignes. Oh là là, eh, je lui mets cher hein, au clochard. Oh putain, bien joué, bien joué. Alors je vais lui faire l'arc. Boum, dans les couilles. Ta boisson de puissance. Pauvre clochard, c'est lui qui nous a agressé, je lui ai rien demandé moi. Aptitude, marteau de la justice. Qui va bouffer mon marteau? Il est vénère. Il est vénère. Ah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre Butters. Du coup, moi, je peux rien faire non plus. Ah, mais on a pas le choix. Hein. On va lui latter les couilles. Et on va le finir avec le marteau de Butters. Ah, j'ai raté. Non. Il vient de chimer une bouteille, il a remonté son... C'est n'importe quoi. Utiliser. Merci. Sur moi. Et on va le finir avec un Jujitsu. Finis-le. Ça lui fait rien. Il a remonté sa défense, je crois. Je lis vos commentaires. Hein. C'est toi qui l'as attaqué quand tu lui as cliqué dessus. Ouais, non, mais j'ai fail mon attaque, quoi, c'est ce que je voulais dire. Je vais utiliser une potion de force, hein. Non, tu vas mourir. Il va mourir, ça sert à rien, je crois. Et ouais, il va mourir, il faut pas qu'il se fasse toucher, lui. Soin. Ouais. Eh, c'est le combat le plus long que j'ai jamais fait là. Je suis en train de latter les couilles à un clochard. Mais je fais trop pas de dégâts, je comprends pas. Ah, le marteau ça a l'air efficace hein, ou pas? Ouais, Butters il est plus puissant. Marteau de la justice! Ouais, mais il a pas assez de PV. De PP. Oui, ça va venir. Tu as de la monnaie, il m'a dit. La réplique du clochard, quoi. Un point de dégâts, je lui fais. Il craint pas les armes de distance. Il est down. Là, il va caler. Ah! J'ai contré ton attaque! Tu ne peux plus rien faire! Un point à chaque fois. C'est horrible! Ah, j'ai raté, putain. Oh! Il a down. Ah ouais? J'invoque la puissance du tacos! Butter s'est rétabli. C'est n'importe quoi. Je suis sérieux en plus. Je lui donne un tacos, ça le ressuscite.
Ouais, bah écoutez, je peux rien faire pour l'instant. Il est down. On a battu un clochard. Bien joué. Nice. Ouais, je liveais trop vite, je me suis fait flasher. Donc c'est bon, il est mort. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Je peux le looter quand même. Il avait 0,05 centimes de dollars, quoi. Pff. Bâtard. Un baluchon, une seringue usagée, il avait sur lui. Oh. J'espère qu'il avait autre chose, qu'il protégeait un truc, je sais pas. Mais... protégeait rien? Ah, il protégeait un coffre avec des seringues usagées encore. 15 dollars. Une perruque ébouriffée, un baluchon. Ok, détenu de clochard, quoi. Bah allez, on arrête de faire les cons, on va chez Kenny et on close cette quête. Il doit être là, Kenny. Oh non, je crois que Kenny, il est pas là. La clé du garage? Mais ils habitent à plusieurs là-dedans? Ils habitent à plusieurs dans un taudis, quoi. Bouchon de bouteille, cool. Yeah, we got the package for Tweet Coffee. You got the info. Ils font de la meth. Je suis dans un labo de meth. C'est quoi ce délire? Où est le gars qui reste dans les couilles d'habitude? Oh merde, c'est un flic. Ça c'est trop l'épisode de South Park ça. Mais je suis pas un flic, bande de cons. Trois adultes, j'arrivais pas à en gérer un tout à l'heure. Vous l'avez mérité. Juif Jitsu. Juif Jitsu! J'adore les clics de souris. Ouais. Je suis obligé de cliquer. Vous pensez que c'est elle? Accro. Ils sont tous accro au crack de toute façon. Donc je vais taper elle. Bim! Elle est vénère du coup. J'ai contré. Trop puissant moi, je suis pas bourré au crack, ça veut rien dire. Je vais utiliser... Ah j'ai rien. Potion de santé. J'ai rien. Le café de chez Twig vous permet d'attaquer à nouveau. Ah ouais. D'accord. Ben écoutez, du coup je vais tirer à l'arc cette pétasse là. 31 dégâts, là ça fait mal. Je vais shooter lui au marteau. J'ai raté, j'ai cliqué trop tôt comme un con. Oh, je compte tous les coups, les gars. Je compte tous les coups. Je leur fais mal. Hein. Je leur fais mal. Qu'est-ce que t'as comme truc? J'ai plus rien. Bombe à eau. Jette-la sur vos ennemis pour faire disparaître leur bonus. Ok, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Allez, marteau de Butters. J'ai trop de skill. Non. Elle m'a tué d'un coup. Lis donc ce que dit Sanjin. Les potions de puissance t'ordonnent des PP pour l'utiliser. Tu crois? Les potions de puissance? Mais j'en ai pas de potions de puissance. J'ai encore un taco. Tacos magique. Ça y est, je l'ai réanimé. J'ai pas de potion de puissance en fait. J'en ai plus, du moins. Tu l'as dans le cul. Ne fais pas ça, Ayar. Si, il faut que je fasse. C'est sauver les clients, ne fais pas ça. Oh, je contre tous ces coups. Enfin, j'en ai contré pas mal, quoi. Mais tu vois ce que je marque sur le chat? Ah ouais, mais j'ai pas le temps de lire, là. Mais oui, je vois, oui. Putain, le maître, j'ai vu. Il est bientôt mort, lui. Est-ce que je devrais pas le soigner? Parce qu'il a combien de PV, lui? Je vais le soigner. Butters! Mange ces chips magiques. Hop.
42 dégâts. Je suis trop fort. Trop de skill. Pas rien faire. C'est fini. Eyar vs drogué. Eyar remporte. Ah, plus de clients. Mais t'es pas grognasse. Plus de clients, c'est fini. On fait comment maintenant? Et bah tu vendras autre chose. Eh ah, hey, mais ils, eux ils sont c'est des clochards putain avec des seringues usagées quoi. C'est tout ce qu'ils ont une cuillère c'est pour se faire du crack là. N'importe quoi. Et du coup qu'est-ce que je fais vu que j'ai tué les clients? Je viens de me brûler la gueule. Ah si je pète sur des flammes ça va faire quoi? Ça va foutre le okay, au fion. Autour de flammes. Ah ça marche pas. Je suis sûr dans certaines circonstances ça marche. Je lui ai fait couille pendant qu'elle est morte là. Ok ben je monte, attends je peux taper dans ça. Non. Livraison spéciale de Twitch. Je l'ai. Ah et là je peux descendre ou pas? Attends mais il doit y avoir un moyen de fermer le gaz là. Oh non, zombie est mort quoi. Et tu vas jouer à ça tout le temps ou pas hier? Tu fais un ton de truc après? Non, je vais arrêter là. Ah, t'as le live carrément? Non, j'arrête le. Ça quoi. Ah putain, comment je suis pour faire rien? Elle était énorme. Mais. Quoi? La blague de l'homme cast. J'ai pas vu ce qu'il a dit. Je ne la citerai même pas. J'ai même pas fait gaffe. Plus 1. Mais t'as vu, c'est chaud parce que. À un moment, tu parles de bête et je regardais ton live, on est en screen. Et je fais, oh putain, Namet, et juste après. Un tiers de seconde après, il fait, Naki doit pas être loin. Mais vas-y, comment je fais pour éteindre le gaz là? Mon gars, on envisage plus que des CD, mais bon, non, non. Pensez, ouais, c'est ça en fait. Hein. Je suis juif, j'ai pas l'habitude d'éteindre le gaz. Ça doit être ça. Vu qu'il s'éteint à toi, quoi. Oh! Bon allez, c'est pas grave. Il y a un putain de coffre, mais je sais pas comment l'atteindre. Monte à l'échelle et fais le tour. Oh, on si dit. On a plus le droit de rire sur ça, c'est bon. On va bien sur Edouard. Donc... C'est passé, il y a plus de 33 ans, un quart, on a le droit d'en rigoler. C'est les règles de South Park, hein, je suis désolé. Si vous suivez pas South Park. C'est vrai? C'est à partir de 33 ans, un quart, on a le droit de rigoler quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont fait un épisode où ils se foutent de la gueule du sida. Parce que c'était passé depuis plus de 33 ans. Donc on applique la règle. Ubisoft. Ubisoft tolère. Allez c'est parti. On ramène ça à Twitch. On a plus rien droit de rire quoi. Monsieur. On a plus rien droit. On a plus rien le droit de rire. On a plus rien droit de rire. Il y a bien que South Park qui peut se permettre de pas ouais. Laisser une classe juive. Oui. En mode RPG tu vois. C'est... Ouais oui il a mis ça. Voilà c'est, yeah, 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 c'est le fondement yeah, yeah. De la série. T'sais. Alors, pour information, on va clore le premier épisode sur la fin de cette quête. Le live n'a pas terminé, je vais faire une coupure histoire de scinder l'épisode pour ceux qui veulent voir la rediffusion. Peut-être qu'elle sera disponible sur YouTube, je sais pas encore. On va voir, on va contacter d'abord la Lycra, on va voir si c'est possible, le CRIF. On va les contacter, on va savoir si c'est possible. Et si ça se passe bien, on mettra ça sur YouTube. Donc on verra ça, mais attendez, c'est peut-être pas fini. Je vais aller voir Twig. Tu as assuré la réception, merci mon pote. Papa, je vais travailler, je peux jouer. Oh, il va me rendre fou là, on la caisse pas de chasse. Non, Twig c'est un drogué le père. Monsieur Twig. Réponds-nous s'il te plaît, sinon il va se faire mal. C'est ça. C'est ça le petit dicton. Diamant. 7 amis, cadeau disponible. La clé de Twig, donc on va fouiller rapidement. On va fouiller vite fait ici. Voilà, il n'y a rien à fouiller, je peux pas taper dans des trucs, des bordels, des machins. Je peux monter ici, il y a un petit coffre. Oh, il y a plein de trucs. Les trucs sont verrouillés parce que je suis pas assez haut niveau. Il y a de la Red Bull. C'est de la Red Balls. De la Red Balls, ils ont écrit. Il me fait trop marrer comme jeu. Ah mais il est énorme. Mais c'est un épisode. Le déroulement des scènes, vous voyez, par exemple, tu dois juste aller chercher un colis pour Twig, tu te retrouves dans une risque de comment ça s'appelle
de SDF complètement accro au crack, ça pourrait être un épisode de South Park. Ou un film, un long métrage, puisqu'ils l'ont fait une fois. Ou deux, je crois. Bref, on a accompli la première quête, ce sera tout pour le premier épisode. Je vous rassure, le live se termine pas ici, hein. C'est juste pour le scinder, comme je le disais. Et y'a. Donc, attendez une seconde. J'espère que vous avez kiffé quand même le premier épisode. Moi, je suis toujours sur mon premier aperçu. Ça défonce tout, quoi. Ils auraient pas pu mieux faire. Je vais enregistrer ici. Sauvegarder la partie. Ils okay. auraient pu baisser un peu de prix, quoi. Malheureusement, c'est un jeu qui est, j'allais dire, triple A. C'est pas un triple A, mais c'est une grosse licence. Ils peuvent pas le proposer à moins, je pense. 39 euros, ils auraient pu le proposer à 50. Hein. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous êtes là juste pour les épisodes de South Park, sachez que j'annoncerai sur les réseaux sociaux et probablement sur YouTube. clic droit, sync data. J'annoncerai sur YouTube, j'annoncerai partout le deuxième épisode qui sera probablement dans la semaine, si j'arrive à trouver un créneau, milieu de semaine prochaine, parce que j'ai envie d'y jouer et je peux pas y jouer sans vous, puisque je me suis donné l'objectif de le faire en live. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et pour ceux qui s'en vont, je vous donne rendez-vous pour le...